Le géranium de Madère, c'est un géranium vivace, mais non rustique dans nos régions. C'est-à-dire qu'il va falloir le mettre à l'abri l'hiver. Tout l'été, on peut l'avoir au jardin, au soleil, voire à mi-ombre, ça, sans problème. Et arrivé à l'époque où les gelées d'automne vont commencer, là, il faut le rentrer. Alors on le rentre dans une serre froide, dans une véranda ou dans une pièce claire. Ce géranium de Madère a la particularité de fleurir environ la quatrième année. C'est-à-dire qu'en attendant les trois premières années, voilà, et la quatrième également, il va grossir de feuillage, il va s'étoffer. Et puis après, la floraison va arriver au début de printemps et va s'échelonner pendant tout l'été. Généralement, dans 95% des cas, après la floraison, il meurt. Donc, nécessité de ramasser les petites graines qu'on va ressemer dans des petites cagettes vers le mois d'avril-mai. Alors, ça lève très vite. Au bout de 10 jours environ, on a des petites plantules qu'on va repiquer dans des petits godets pour passer ensuite dans un gros pot. Et au bout de 4 ans, la plante refleurit à nouveau. Alors, petite astuce, et c'est moi qui donne cette petite astuce, il faut faire un petit semis tous les ans. Comme ça, vous attendez 4 ans la première fois, puis après, tous les ans, vous avez des géraniums qui refleurissent. Ça graine tout seul. Si vous avez la chance d'avoir une propriété à Madère, eh ben, vous les laissez grainer. Les feuilles se retournent vers le sol d'elles-mêmes et assurent la stabilité de la plante. Ça fait ses béquilles naturelles. Tant qu'elle est verte, on la garde. Sinon, on la coupe au ras. Pendant la belle saison, arrosez-le régulièrement. Mettez-lui de l'engrais géranium pour assurer quand même sa vigueur. Hein, parce que c'est quand même une grande plante. L'hiver, si vous le rentrez dans une serre froide ou dans une véranda, arrosez-le parcimonieusement, hein. Faut pas l'arroser trop parce que excès d'humidité et puis vous pourriez faire disparaître la plante.